Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Il est souvent difficile de mesurer la portée historique de certaines déclarations au moment où elles sont prononcées. À cet égard, l'avenir nous dira comment se situent les propos tenus hier en Haute-Volta par le président Pompidou. On peut dire en tout cas qu'il a été très ferme pour définir, telle qu'elle se présente actuellement, la coopération entre la France et les pays d'Afrique. L'acheminement des films de Ouagadougou à Paris fait que nous avons reçu seulement cet après-midi les premières images de la visite officielle du président de la République en Haute-Volta. Aujourd'hui, nos deux peuples ont choisi librement de discuter, de négocier, bref, de coopérer dans un climat de parfaite égalité et de profonde estime. Le mérite en revient au peuple français, qui aura répondu sans équivoque au message de dépassement et de grandeur auquel le conviait le général de Gaulle. Il nous aura été ainsi épargné de connaître les soubresauts et les drames humains de la décolonisation. En ce moment, encore où tout n'est pas partout dénoué, nous mesurons cette chance historique de la France et de l'Afrique. Volonté d'autonomie financière, affirmation de sa souveraineté internationale, n'est-ce pas la preuve que dès le premier jour de son indépendance, votre pays manifestait le souci d'en revendiquer toutes les responsabilités, tous les droits et toutes les obligations. Je puis vous affirmer, et j'étais bien placé pour le savoir, que le général de Gaulle voyait les choses ainsi, en menant à son terme, en 1960, l'entreprise dont il avait fixé les grandes lignes, le 30 janvier 1944 à Brazzaville, et qui devait amener les peuples d'Afrique à s'ériger en État souverain. Le plein exercice de votre souveraineté allait de pair avec la nouvelle tâche qu'il fixait à la France, la coopération. Dans ce domaine, la sagesse nous commande d'être pragmatiques. Le gouvernement français, pour sa part, et il l'a prouvé, est ouvert à toutes les suggestions. Il n'a jamais été dans ses intentions de poursuivre une politique d'aide qui ne serait plus désirée. Monsieur le Président, je vous demande à tous, mesdames et messieurs,
de lever votre verre à la santé du président Lamizana, à la santé de Madame Lamizana, au bonheur du peuple voltaïque, à la fraternité de la France et de la Haute-Volta. C'était le compte-rendu de la première journée du voyage du président et de Madame Pompidou en Haute-Volta. Ce matin, le président Pompidou et le général Lamizana ont eu un deuxième entretien en tête-à-tête, tandis que de son côté, Madame Pompidou visitait le marché central de Ouagadougou.